tout le monde. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais actuellement, on voit beaucoup d'OVNI. Donc, ma précédente vidéo qui a été assez rapide, j'en ai parlé déjà vite fait parce que c'est sorti. Il nous prépare ça. Parce que là, il y a beaucoup de divulgations qui sont lâchées. Bon, certaines sont vraies, oui. Maillard, il nous cache ça depuis tellement longtemps que j'ai envie de te dire... ma foi. Ouais. On verra. Donc ça, je ne vais pas le prendre. On va aller droit au but. Alors, concernant les petits hommes verts. Enfin, bon, en général, on dit verts, mais ils sont gris. Hein. Enfin, ça dépend l'air à ça, mais les gris, ils sont gris. Hein. C'est les larbins des Dracocos et des Custodians et des Reptiliens. Alias la planète qui est à côté de chez nous, enfin la Terre à côté de chez nous. Pour ceux qui auront fait leur recherche, qui auront bien compris beaucoup de choses. C'est les Anuna Kiki. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les dossiers OVNI et ben, ce qui se passe à ce moment? Il y a plein d'OVNI qui sont vus. Oh, ouh là là. Et ils ont récupéré des corps biologiques. Ils ont travaillé avec eux. Bon, bref. Et pour info, la Mineral Bird de... Ben, attends, première question que j'ai posée. Est-ce que la Mineral Bird, il nous a vendu? Est-ce que l'amiral Bird il nous a vendu, il travaille pour ses pourris? Retour vers le futur. Ah ben oui, il nous a bien vendu. C'était un instinct de survie pour lui. Il a joué du piano. Pour être le meilleur parmi les meilleurs, comme dans Top Gun. Bon, ben, ça c'est réglé, voilà, on sait. Il nous a bien fait à l'envers, en fait. Le salaud. Donc, ça confirme une prochaine médiumité que je vous ferai sur les différentes terres qui existent. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Est-ce que bientôt, ils vont nous montrer les OVNI à la télé? Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'il va y avoir des grands vaisseaux qui vont apparaître? Parce que là, c'est dans les Philippines. Hein. Comme par hasard, il y en a qui sont apparus. Mais les Philippines, c'est pas loin de Taïwan, je crois. Hmm, il est possible qu'il y ait des bonnes technologies. Bon, allez, bisous. Bisous, bisous pour ça. Et j'allais dire vous dire déjà ciao, je suis fatiguée, moi. Bon, allez, on va voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux OVNI prochainement? Oh, ben celle-là, elle a sauté. Popcorn. Grease. Ils vont commencer à nous lancer le truc, quoi. Ça va être le rythme. Hein. Ok. Mais encore. Ah! Game of Thrones. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace? Hein? Comme dans Game of Thrones. Là, ça va être le jeu du trône, hein. Du trône de shot, hein, du trône, voilà. Ouais, c'est moi qui est plus fort, c'est moi qui vais pouvoir négocier avec eux. Et là, on a Skyscraper. Ils vont jouer les sauveurs. Ils vont jouer les sauveurs. D'accord, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire d'autre? Ah oui. Ben, ils vont essayer de nous faire peur pour qu'on se dise protégé par eux. Hein. Et, mais quoi d'autre? L'âge de la raison avant toi. Oui.
Ils étaient là avant. Ici, ils sont là depuis longtemps. Faut pas se leurrer, ben oui. Mais encore, qu'est-ce qu'on a à me dire? Working Day. Alors, dans Walking Dead, il y a plusieurs factions. Tu peux pas trop sortir de chez toi. Hein? Parce qu'ils sont partout. Vous sentez où ils veulent en venir? Après. On retourne à la planète des singes qui ressort. La transformation et Break It Down que j'ai sorti pour Elon Musk. Et pour d'autres jeux. Bon. Encore autre chose à me dire et ça ressort là. Donc, on est en train de nous dire que ça y est, comment ils se... Ils accélèrent, ils commencent leur truc. Elles ressortent les cartes quand même, hein, que j'ai sorti tout à l'heure. Et il y en a, je peux vous le dire. Alors, les trois frères. Un jour. Ah, ils vont encore jouer sur la... Même avec ça, ils vont jouer sur l'énergie verte. Ce souci de notre place. Ils vont encore nous manipuler, c'est tout, hein, Il me saoule. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les ovnis, sur ce qui est en train de se préparer? Mensonge. Ils vont nous balancer un peu de vérité, mais dans la vérité, il y aura du mensonge, c'est tout. Ouais, ben voilà, c'est encore les mêmes qui jouent à ça. C'est que ceux qui vous construisent les maisons là, que quand ils se baissent, ils ont l'envie qu'ils se baissent à des maçons. Et pas cela. On nous parle de l'Océanie. Oui, ça a été vu en Philippines. Donc ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus. Et on nous parle de la Chine. Ok. Bon. C'est peut-être pour éviter un. C'est pour nous éduquer, hein. Et c'est un lien avec la Chine. Pourquoi c'est un lien avec la Chine? Ah, c'est pour alimenter le conflit. D'accord, mais encore. Énergie. Construction. Agriculture. C'est pour prendre le contrôle de beaucoup de choses qui se passent. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec celui-là? Sur les ovnis. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ça vient maintenant? Pourquoi? Et celui-là, il parle bien, je l'aime bien, il est assez énigmatique. Je suis contente de m'en être pris. Alors, c'est quoi qui sort? Ah, désert aride. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est leur dernière carte, 31. Peut-être que le 31 va se passer quelque chose. Coupé. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le Ramadan, mi-mars, mi-avril. J'ai les pays de là-bas. Et j'ai encore les pays de là-bas, fin septembre, début octobre. Je pense plutôt que ça va être là-bas. Et que ça va peut-être se faire dans les pays orientaux. À suivre. Naissance du prophète. Alors, moi, je retiens ça parce qu'en fait, je vous montre mes cartes parce que j'ai fait des jolies cartes quand même. Tous les montages, je les ai faits, je les ai travaillés. On a le rouge encore qui est présent. En fait, ils veulent nous mettre une nouvelle croyance. Hein, parce que là, ils nous divisent avec
LGBT+, LBGQ, LGBT-, moi je suis ci, moi je suis trans, bon bref. Ils divisent les gens par ça, ils ont divisé les gens avec le fric, ils ont divisé les gens avec donc les religions, ils ont divisé les gens avec les richesses, avec tout, alors qu'en fait, tout pourrait rouler. Tout pourrait rouler, tranquille, hein. Mais non, ils veulent pas. Ils en veulent toujours plus. Puis ils sont tarés quand tu te renseignes un peu. Bon, bref. Dans un désert, on peut trouver de l'eau, essentielle à la vie, en creusant profondément dans le sol. Moi, je sais aussi que dans le désert, on pourrait trouver des choses qu'on n'imagine même pas quand on regarde les anciennes cartes. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, c'était une aparté. J'essaye de trouver une porte de sortie. Hein. Creusez profondément vous-même. Maintenant, trouvez-y votre vérité. En fait, ils essayent de trouver une porte de sortie parce qu'ils n'ont plus de solution. Mais en fait, ils amènent les gens à la vérité, tout simplement. Cet endroit est d'une importance capitale pour trouver ce qui vous convient vraiment. Donc les déserts sont d'une importance capitale. Il doit bien y avoir des choses là-bas. Dans les films Marvel, comment il s'appelle alors? Celui qui joue dans l'eau, là, le Triton. Là. Tiens, je sais plus comment il s'appelle ce film. Bon, bref. Eh bien, il y a des trucs sous le désert. C'est ballot quand même. Donc, en fait, ils essayent de trouver ils essayent de trouver une porte de sortie. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message alors? J'en ai deux. Opportunité. Ben voilà. Il te faudra braver la mer agitée si tu souhaites faire tes preuves et de grandes découvertes. Ose. Donc, ils essayent de faire. Oh, mon Dieu, on n'est pas seul, on vous l'a pas dit, on vous révèle tout. Oh, mon Dieu, ils arrivent et tout. Bon, ils essayent de vous surprendre. Respiration. Sors la tête de l'eau pour t'élever au-dessus des flots turquoises. Bon. Et oui, il y en a des choses cachées là-dessous. Et puis, ils n'ont plus beaucoup de portes de sortie. Donc, à nous de comprendre ce qui est codé derrière tout ça. Voilà, bisous à tous. Bonne fin de journée, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao!